Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a plus le petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, Rush 2.6 avant que la vidéo commence les gars, très très important. Si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi aussi si vous voulez des concepts, c'est n'importe quoi, dites-les moi dans les commentaires. Je regarde et je réponds. Si vous avez des questions, c'est sur Insta. Et puis, ne perdons pas de temps, c'est parti pour le premier game. Il faut savoir que ça fait une heure et demie que je m'entraîne à Tivator du Roi avec le 2.6. Donc avec toutes les cartes possibles, archimagiques, boulistes, plein de trucs. Donc normalement, on devrait pas avoir trop de soucis sur ça. Ok, bon. Le frérot, il a déjà tout mis au point, il a déjà ce qu'il joue comme deck, ça c'est cool. Ok, on va mettre un petit esprit de glace. Ici, on va mettre le cochon. A voir ce qu'il fait. MK, ça fait longtemps que j'ai pas croisé cette carte, c'est totalement faux. J'ai croisé cette carte il y a approximativement 2 minutes quand j'ai lancé une game. Et que mon Rex ne s'était pas lancé. Okay, on va mettre la mousquetaire là. On va laisser ton puissance de se gratter au coup que j'ai. Regardez. Hop, le body block. Et voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. C'est-à-dire que je vais pouvoir accompagner ce gun de glace. Bon, il est mort, mais ok, barbare. Bon, on va pas boule de feu. Ok, on va boule de feu les cochons royaux plutôt, je préfère. On va les bûches, on va les squelettes dans tous les cas. On va faire comme ça. Hop. Voilà, défense clean, on va essayer de. Bah. Un truc comme le coup, dommage. Ok, bon, il a quoi pour défendre là? Là je vais mettre un peu de pression à voir ce qu'il a pour défendre, parce qu'il a l'air d'avoir un deck assez cher. Ok, bon, il a le MK, ça m'arrange pas trop, j'avoue. Bon bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le canon bas, on va mettre le squelette et voilà. Hein. Voilà frère, tu forces de ouf. Le problème c'est que j'ai plus d'Elex. Donc là c'est Miochine. C'est Mishikichu, je suis dans la sauce. Hein. Je vous dis, on a la mousquetaire, ouais, ça va. Je pense là il vient de recycler il y a genre 10 secondes même pas. Bah ouais, écoutez, hein, c'est pas prévisible ce qu'il vient de faire. Il croyait que je sais pas défendre ou quoi sans boule de feu le frérot là. Ok. Bon, il a une boule de feu lui aussi. On a une boule de feu aussi, puisqu'on sait qu'il a des barbares. Il va sûrement les mettre là. Voilà, exactement comme prévu. Et là, on va aller tout simplement mettre d'énormes dégâts. Je vais sûrement mettre. Ok, là, ça, on va mettre une petite bûche alors. Hop, petite bûche ici. On va mettre le canon. Ah, t'es-tu rigolé? Chè. Ferme-moi. Ok, bon. Là, même si mes SMK, ça change rien, parce qu'on va quand même prendre la tour. Et si mais c'est barbare, bah c'est tant mieux. Parce que je pense qu'il va essayer de forcer avec quelque chose d'autre. Je pense que là c'est le tout pour le tout, donc voilà. C'est pas prévisible encore une fois. Hop. Et voilà. Première game de prix, ça fait plaisir. Ça c'est très très bonne nouvelle. Hein. Très 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 bonne nouvelle. Ok. Je pense qu'on va faire 3 ou 4 games. Je pense qu'on monte au 5 à 6. Donc il nous reste 2 games, je pense. Ouais, 2-3 games, on va faire peut-être sûrement 3 games, parce que sûrement il va manquer un ou deux trophées, oui, bah forcément. Forcément qu'il va manquer un ou deux trophées, donc on va faire encore 3 games. Ok, petit cochon tranquille. Ouais, limite pré-shot bûche, hein, j'ai fait un musculette. Ok, ouais, ok. On va mettre l'esprit de glace là, donc ça, hop. Petit placement, pas prendre de coups de whiz. Voilà. On a pris un coup de whiz. C'est cool quand je call quelque chose, que ça se passe comme je les call, quoi. Ouais, je sais pas si c'est connecté, donc je préfère ajouter le gun de glace. Ok, j'ai envie de forcer, mais on va se calmer. Ok, moi je force. Hop. Je me permets de forcer. On va voir ce qu'il a, s'il joue rien, tant mieux. Ah! Ok, mais le... Ah, nice. J'aime bien quand je fais des moves et que je les réussis, genre ça c'est ma passion. Ah non mais là je suis handicapé là frère, c'est trop... Bah ouais non mais... Ah bah là j'ai plus tour là hein.
Ah mais si je le cherche aussi avec mes canons dégueulasses là. Ouais, cette carte elle est trop forte, je suis désolé frère. Ouais, Wiz, Valkyrie, ouais, le T-Cart 11. Ok, on va se concentrer, on va essayer de la win celle-là. Parce qu'on a un bon match-up, hein, je vous le dis direct. Juste moi qui sais pas jouer, c'est pas la même chose. Ok, bon. Recycler les squelettes font map, tranquille. Ok, la princesse sur la bûche. Il avait quoi? Il avait mousquetaire, mini PK, ouais, que des cartes chiantes, hein. Je reconnais, je reconnais. Ok, il a plus de mousquetaire, ça c'est pas mal. Bah là, je pense que... Ah, même si une PK, ça va pas changer grand chose, étant donné qu'on a... Ok, on met de très très bons dommages, ça c'est cool. Le seul problème, là, ça va être son jeu électro. Voilà, exactement comme ça, qui va jouer. Plus qu'il y a plus qu'il, hein. Le géant électro en toute sa splendeur. En vrai ça va, j'ai plutôt pas mal défendu je dirais. Ouais ouais, en vrai ma défense était putain de clean hein. Ouais j'ai un peu paniqué. Laissez-moi paniquer hein. Là c'est mon chien géant électro, là je vais prendre le thaïlandais là hein. Ok. Ah bah nickel, alors on va mettre le canon là. C'est cool, j'adore faire ça. Ah mais canons que je mets c'est grave hein. Ouais les canons que je vous chie là il est... Ouais. Ah bah je vous chie des petites dingueries là. C'est moi qui vous le dis. Cette fois on va essayer de faire un peu gaffe quand même à ce que je fais. Pas prévisible, hein, pas prévisible du tout. Ok. Ah, moi on prend comme le coup et on prend la win. Hein. Merci. Allez, hop, cher. Allez, nice. Ça fait plaisir. Ça c'est nice. Ça c'est nice. Ok, petite victoire, ça fait plaisir. On va récupérer les récompenses du pass de combat. Ok, petit joker épique qui me sert à rien, puisque là je suis en train de max ça. J'ai toutes mes épiques max, j'ai ça, mes épiques sont déjà max. Et ça, y a pas d'épique dedans, donc... Bref, ouais, non, on va reprendre 2.6, c'est quand même mieux pour Rush. Voilà, là, si je prends pas plus 32, là, bah voilà, on va faire notre game après, hein, écoutez. Hein. Ok, allez, c'est parti, esprit de glace. Ok, petit squelette, tranquille. Ok, bon, petit gun de glace. Là, pour l'instant, on joue chill, hein. On va attendre de voir ce qu'il fait. S'il joue rien, bah, on push. Je vais jeter l'esprit de glace, quand même, au cas où. My brother. Bah, yes, hein, il est marrant. Bon bah je vous laisse apprécier ce 3 couronnes. 2.6 c'est très rare 3 couronnes, donc je vous laisse apprécier le petit 3 couronnes des familles. Bah le frérot il a... Bah il a nick la game hein. Je sais pas ce qu'il a branlé, il a lancé une game, il a fait oula, c'est pas ma guerre. Bah tant mieux, tout simplement. Voilà, nickel. Ça fait plaisir les petites victoires comme ça là. Et voilà hein, ce que je vous ai dit du coup, les fameux trophées. Et là, on va aller chercher cette dernière game, sauf si je perds, à ce moment-là, il y aura deux games supplémentaires, et pas plus. Ah, niveau 14, tout ce qu'on aime voir, hein. Des mecs à 5 à 6 niveau 14, hein, quand même, hein. Y a un souci, quelque part, hein. Oh, putain. Attends, vu la gueule dans leur deck, là. Ok, on va mettre le petit cochon ici, tranquille. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde. Ok, bon. Bah c'est parti pour un max de fun, écoutez, je vous dis quoi. Bah on va tirer tout ça là déjà, on va mettre une petite mousquetaire, tranquillement, voilà, sans pression. Et lui c'est un gros fils de pute qui joue spawner, voilà. Présentation faite. Bon, bah yes, j'ai plus de canon en fait. Le pire canon de tous les temps.
Je vais assumer encore, je pense, deux gobelins. Ouais, ce gobelin, et là, je mets les squelettes. Hop, pour assumer les gobelins tranquillement. Je pense que là, ça suffit, je pense. Je sais pas. J'espère, parce que sinon, c'est la sauce. Nice. On va mettre le golem de glace là. On va partir en cochon. Et on a l'esprit de glace si vraiment il y a besoin. Mais normalement, il n'y aura pas besoin. Il y aura besoin. L'Enred 13, il est bloqué à 5 à 6, mais... Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, il doit vraiment jouer comme un pied, du coup. Hein. Si ça capte pas, logique. Bon, tranquille, on a fait une très bonne défense. Et plaisir. Bon, lui, par contre, il me casse les couilles avec ses fournaises. Bon, allez, cochon, on va voir ce qu'il a. Normalement, il va pas recruter sur des cochons. Bon, il recrute sur des cochons. Un coup, je suppose. Ok, bon. Là, on va pas mettre, on va pas mettre le canon, on va mettre la mousquetaire. Je pense que c'est mieux. Hop. Le canon, c'est trop statique. Logique, c'est un canon. Ok, bon. Là, je vais pas avoir trop le choix de boule de feu. Ça y est, les premiers dégâts qui sont entrés de sa part. Il a full spam. Je sais pas comment défendre ce deck, frère. Personne ne joue spawner plus. Ça n'existe plus. Ce deck n'existe plus. Oh, vas-y, il est insupportable. Bon. Ah, la machine qui casse les couilles aussi, là. Bon, il a un deck, il est insupportable. Hein, très bien, d'accord. Hop, on va détruire ça tranquillement. On va aller pouvoir mettre le petit cochon là. Ok, c'est pas mal. Il commence à regrouper ses troupes du même côté. Ça, j'aime bien. Par contre. Ok, est-ce qu'on peut pas essayer de faire un petit truc comme ça? Allez, hop. On protège ça. On peut boot de feu ça. Bah là, on a un pré-shot, c'est pas trop mal. Hop. C'est vrai que c'est la game pour l'instant. La bûche, bah, on va encore. Oh, ouais, nickel, hein, une bonne bûche. On va l'utiliser, la bûche qui est assez incroyable. Hop, nickel. Là, je vais boule de feu ça. Je pense que je vais commencer à cycle sort. On va tout dans la fournaise parce qu'elle me saoule la fournaise. Ok. J'attends que les gobelins meurent. Genre ici maintenant. Donc mon dernier gobelin, parfait. Bah là, encore une fois, je vais les boules de feu, hein, je vais me faire chier. Il casse les couilles, sa fournaise, donc bon, bah écoutez. Ok, on va mettre la moumou. Ok, attendez, je me concentre. Excusez-moi si je parle pas trop, là j'essaie juste d'être focus et pas perdre la game. Bonne boule de feu là, on va aller la prendre. Très très bonne boule de feu de ma part là. Oula, j'avais oublié ce détail. Pousse. Les boules de feu que j'ai là, par contre, elles sont ultra value pour moi. C'est fou ça. Ah, c'est qu'il a une reine. J'avais oublié qu'il avait une reine, frère. Est-ce qu'il branle avec une reine 14, lui? J'avais oublié ce détail. Let's go. Oh, des gars de folie là. Oh là 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 là. Pas facile hein. Bon, je m'en doutais qu'il jouait comme un pied. Il était nul hein, vraiment il était à chier hein. Juste bah les cabanes, c'est chiant genre sa mère là hein. Bref, on a gagné cette game hein. Celle là je me suis battu là, je me suis battu pour l'avoir cette game hein. On va pas se mytho. Ok, bon, ça fait plaisir hein. Le mec, je pense qu'il était vraiment nul hein. Ouais, voilà. Et ouais, il est quand même 6-4 de record hein. J'ai battu ça. Là j'ai battu un spawner avec une reine en jouant 2.6, ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est à dire que j'ai un minimum joué. Bon, lui je pense qu'il était bon, non, même pas, non, il a dû péter un câble, bref. Bon bah les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, tous ceux qui sont restés là, n'hésitez pas à écrire hashtag spawner,
Et puis voilà, c'était vrai coup. Ciao, ciao!